Bonjour à toutes et à tous. Mardi, c'est ça? Mardi, je ne vois rien du tout. J'ai pas mes lunettes. Mardi 27 juillet. Non, 27 août, pardon. Mardi 27 août. Ça, il est trop tôt. 8h20 du matin, on est avec Albino. Salut Albino, ça va? Oui, ça va. Pas mal, ouais. Tranquille? Ouais, tranquille, allez. Tranquille. Allons-y, gamin. Donc Albino, il nous emmène pas au travail avec lui, mais dans la direction. Donc, tiens, on pourrait venir travailler avec toi aujourd'hui. Sur les toits, si t'as pas le vertige. Un petit peu quand même. Ah. Un petit peu quand même. C'est pas pour pas travailler, hein, c'est parce que j'ai vraiment le vertige. Oui, oui. Je te crois. Je te crois. Et donc, Albino, bah, il nous emmène faire le premier petit chemin en direction de Rodez. Ah ouais, il s'est trouvé un petit rond-point. Et sympathique. Bah, allez, super. Donc, Albino, hein, vous l'avez découvert hier soir. On a dormi avec lui, pas avec non, lui, on a dormi. C'est... Sans façon, pas encore, on essaiera plus tard peut-être, pour pas mourir con. C'est ça, et voilà. C'est ça. Merci beaucoup Albino en tout cas. Allez, avec plaisir, ça marche. Bye bye. Bon bah Albino, on a vu des objets insolites dans la voiture, c'est génial. J'ai vu, j'adore. Ça picole à la suite. J'adore. Bon allez, au plaisir, c'est merci sympa. Merci en tout cas. Ciao, ciao. Salut Albino! Et allez, c'est reparti pour le stop en direction de Carmo, Rodez, National 88. Ça va Loulou? J'ai froid. T'as froid? Il a raison, il fait froid en fait. Encore un grand merci à Sandrine et Albino et Lisa pour leur accueil cette nuit sur cette ville de Albi. Allez, c'est parti. Du coup, on est parti de Albi, c'est ouais, ça hein ouais. Ouais, Albi. On est avec Marlène qui nous a posé à l'entrée de Carmo. Ouais, c'est ça. Ça Marlène, du coup, quel âge? 42. Oui. Ok. Bah, merci beaucoup, Marlène. C'était quelques plaisir. Kilomètres, mais merci beaucoup ouais, de nous avoir avancé fait, ouais. un petit peu. Bah, ça cool. nous a avancé. C'est toujours pareil. Et nous, donc, on continue en direction de Rodez. Rodez. Merci, Marlène. Bonne journée, bon courage. Merci. Merci beaucoup Marlène pour ces quelques kilomètres passés avec vous. Et on est toujours sur la Nationale 88 en direction de Rodez. Ok, donc là on a continué le stop et on est en compagnie de David sur la gauche et Stella sur la droite. David, quel âge? David, 50 ans, tout rond cette année. 50 ans, tout rond. Ok, profession, on peut le dire au syndicat. Bien sûr, hein, je suis comptable à Mélan, au syndicat des ESF, à l'école de ski français. Donc, ah. Qui se situe sur Mélan. D'accord. Tout simplement, aux portes de Grenoble. On commence à parler ski. Et Stella, du coup, quel âge? 17 ans. 17 ans. Tu fais quoi dans la vie? Tu es encore étudiant? Je suis au lycée, je vais rentrer en terminale cette année. Tu rentres en terminale cette année? D'accord. Ouais. Eh bien, super. Donc, on est avec vous pour quelques kilomètres. Et là, on remonte donc en direction de... La Primob. Ok. Eh bien, très bien. Ben, merci beaucoup, en tout cas, David et Stella, pour ces quelques kilomètres passés avec vous dans le Tarn. On est toujours dans le Tarn, hein? Oui, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Mais de rien. De ah. votre séjour. Ah ben nickel. Votre périple. Vraiment, David. Merci beaucoup. Merci David. Beaucoup. Avec toi. Salut Stella. Bon courage pour la rentrée. Ouais, ah, je suis désolé, je te sape le moral. Non, mais là ça va aller, je pense. Ouais, ben nickel. Ouais. Eh ben écoute, on vous souhaite une belle continuation et de belles rencontres. Ben merci beaucoup. Merci allez, beaucoup. Allez, bonne route. Salut. Salut. Ah, c'est classe, hein. Donc nous voici sur Rodez, c'est ça? C'est bien ça. On est à Rodez. On est à Rodez. Vous avez vu la plaque d'immatriculation? 73. Merci David, merci Stella. Bonne route, soyez prudents. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. C'est ça. Ciao. Il est précisément 10h du matin, 10h08. Et on continue le stop en direction, par là-bas, en direction de Clermont. Clermont-Ferrand.
Tout va bien. Nous venons de quitter Rodez. Donc Rodez, où on a été déposé, vous avez pu le voir, par David et Stella. Donc bon courage, hein, Stella, pour la rentrée. Hein. J'en remets une couche. Comme ça, au moins, tu me détesteras complètement. et nous, là, nous sommes avec Benjamin. C'est ça, Benjamin ? C'est ça. Eh ben, enchanté, Benjamin. Allez, petite présentation, Benjamin. Quel âge ? Tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai 26 ans, je viens de Villefranche-de-Rouergue en Aveyron. Et puis là, je remonte à Dijon où je travaille comme chef de culture dans un château viticole. Chef de culture. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots en quoi ça consiste, chef de culture ? C'est être responsable de la production de raisins en Bourgogne. Donc sur les parcelles de vignes qu'on a, le raisin de la meilleure qualité possible. Ça va plaire à Vincent, ça. Vincent, tu vas regarder la vidéo. Et donc là, on vient de quitter Rodez et on monte dans quelle direction, Benjamin ? Eh ben, on va à Clermont-Ferrand, là, où c'est là où je vous dépose de toute façon, non ? Eh ben, allez, Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, parce que je vous rappelle que nous, on commence à se diriger. Alors, on voulait effectivement, idéalement, se diriger vers Clermont-Ferrand. Là, ben voilà, c'est une aubaine hein, pour nous. Hein. Donc, c'est top. Parce que toi, après, tu continues, hein, c'est ça ? Oui, je vais jusqu'à Dijon ce soir. Ah oui, tu vas jusqu'à Dijon. On est censé rester avec nos chauffeurs jusqu'au bout. Là, on doit être de retour sur Albertville samedi. Donc, ouais, on laissera notre ami Benjamin aux alentours de Clermont-Ferrand. Pour l'instant, on va juste vous laisser profiter de la route un petit peu. Direction Clermont-Ferrand. Et voilà, on est toujours avec Benjamin, on est à une trentaine de kilomètres de Clermont. On a eu beaucoup de sujets de conversation hein, avec Benjamin. Donc, rappelle-nous juste ton métier. Chef de culture dans un château viticole en Bourgogne. Est-ce qu'on peut citer le château ou... C'est le château de Marsanais. Château de Marsanais. Sur la commune de Marsanais-la-Côte, c'est juste au sud. Voilà, donc les amis, toujours pareil, on vous mettra le lien sur Facebook. Voilà, si vous voulez voir un petit peu ou même commander du vin. Moi, j'ai juste une dernière petite question, Benjamin. Comment t'es venu cette envie de faire ce métier-là ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit c'est ça que je veux faire ? Alors c'est pas venu comme ça, parce que venant d'Aveyron, on est autour de différents vignobles, on va avoir Gaillac, Marcillac ou même le Cahors, mais c'est pas forcément, j'étais pas forcément dedans quoi. Okay. Donc après moi j'ai suivi des études de biologie, j'ai fait prépa bio. Et donc c'était un monde qui me passionnait, le monde du vivant, travailler en extérieur, tout ça, ça c'était vraiment une évidence depuis tout petit quoi. D'accord. Mais par contre après, sur les concours, j'ai atterri à Dijon et puis voilà, Dijon ça reste la capitale de Bourgogne où, qui est réputée pour ses vins. Donc j'ai eu la possibilité de suivre énormément de modules ou même voilà, je me suis rapproché de ce milieu-là. Et puis finalement, ça s'est fait par la force des choses quoi. Je me suis rapproché de ce milieu-là et puis j'ai pris une dominante qui allait sur l'étude des vins. Et puis voilà, et puis maintenant aujourd'hui je me retrouve à travailler dans ce milieu-là et c'est un milieu que j'affectionne particulièrement. Et depuis tu kiffes ? Depuis je kiffe, c'est vraiment c'est vraiment au carrefour de plein de comment ça s'appelle de dominante, on va dire, voilà, on va avoir l'étude de la géologie, donc l'histoire des temps géologiques qui vont arriver à la construction d'un coteau viticole et de toutes ses particularités. Okay. On va avoir la physiologie végétale, on va avoir l'étude du climat, de la météo, l'étude de la protection par les maladies, donc c'est vraiment quelque chose qui est global et qui est complet. Plein de disciplines. Quoi. Merci en tout cas pour toute cette richesse de connaissances que tu nous as fait partager durant ces kilomètres. Et voilà, encore un grand merci à toi. Avec plaisir. On va arriver tranquillement sur Clermont-Ferrand. Bon, et ben on va te laisser continuer jusqu'à Dijon. Bon, bah, allez, bonne route. Hein. Ben, merci pour tout en tout cas. Et puis courage pour la reprise du boulot demain. Bah ouais. Merci. Merci. Ciao. Allez. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Clermont-Ferrand. Sunshine in the night away. We burn the past in the fire. I know it will be okay. We gonna light like a sun, moving as one.
Shining the night away. We stand in the silence and worries just fade away. And just fight the burn inside. A million voice with just one line. And they will see a sign. Rising in tides, we gonna be the same. Nothing we call us the cold for crumbling empire. We gonna be the city lights. We gonna take back the summer and spend this long night awake. Start us way. We're gonna lie like a sun, moving as one, shining the night away. And we stand in the silence and worries just fade away. And this fire, the burn. Et voilà quelques images de cette ville de Clermont-Ferrand. La ville de Clermont-Ferrand que vous avez pu déjà découvrir l'année dernière, puisque je sais plus à quelle date c'était. Je crois que c'était le 25 ou le 26 août l'année dernière. On est déjà passé par Clermont. Donc voilà, on va pas refaire. Si, il y a peut-être eu des naissances entre temps. On est à combien là au niveau des 147 327. Ah, 327. Donc, effectivement, l'année dernière, on était à 143 323. Donc, il y a eu 4 naissances entre temps, plus les décès. Dans quelle région sommes-nous ? On est en Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, on est à la maison, quoi. Presque. Ok. Quel département ? Puy-de-Dôme. Pourquoi il gueule ? T'arrêtes de gueuler ? Puy-de-Dôme, oui, pardon, ouais. Puy-de-Dôme. 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 Ding-dong. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la ville de Clermont-Ferrand ? Eh bien, sa magnifique cathédrale et ses bâtiments administratifs construits avec de la pierre de Volvic, pierre volcanique. On l'avait déjà dit l'année dernière, ça, tu répètes en fait. Mais il y a des personnes qui n'ont peut-être pas vu l'année dernière. Tu radotes. C'est qui est juste là à côté ? Celui-là ? Ouais, sur la statue ? C'est Blaise. Blaise qui ? Blaise Pascal. Ah, Blaise Pascal. Par contre, on voit sa culotte d'ici. Il en a pas d'ailleurs. Clermont-Ferrand qui est également la capitale du pneumatique. Oui. Michelin. Oui. Je sais pas si ça y est encore. C'est pas renseigné entre l'année dernière et aujourd'hui ? Bah si, ça doit y être. Ça y est encore. Monsieur Bibendum. Monsieur Bibendum. Sa chanson sur Xavier. Sur quel pont ? Le pont Canal. Le pont Canal, c'est le pont qui a mal. À cause de sa forme de vite. Si vous avez pu suivre la vidéo sur Béziers, nous avons visité un fabuleux pont Canal en forme de phallus. Comme dirait Xavier, en forme de bite, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit animal. Ah. C'est un ours de Clermont-Ferrand. Non. T'es bête. Bon, les copains, la bonne nouvelle de ce jour, c'est que à l'heure où on fait cette vidéo, le logement, eh ben, on l'a déjà. Alors, est 16h30. Il est 16h30. C'est un miracle. Alors oui, c'est, on va dire, c'est un petit peu...
pas triché, mais bon. L'année dernière, vous vous souvenez, on avait débarqué à Clermont-Ferrand, on connaissait personne, et on avait fait la connaissance du jeune Yanis, qui nous avait hébergé. Donc voilà, on s'est fait un petit groupe de copains, dont Yanis. Et donc là, gentiment, on nous a prêté un appartement pour la soirée et pour la nuit, puisque voilà, comme on vous l'a expliqué, la magie des réseaux sociaux fait que ils ont su qu'on était dans le coin. Donc voilà, on est bien arrivé dans la petite chambre d'étudiants. Donc déjà, on voulait remercier notre ami Julien, le deuxième Julien. C'est le deuxième Julien de cette aventure. Julien donc qu'on a rencontré donc l'année dernière ici même sur Clermont-Ferrand. Donc Julien, un grand merci à toi de nous prêter ce petit appart parce qu'il va reprendre les cours la semaine prochaine. Donc voilà, on va te faire un petit coup de ménage, on va faire ça tout propre, t'inquiète pas. Quant à nous, on va essayer de vous montrer quelques petites images de Clermont-Ferrand by night, vu que voilà, on a un petit peu le temps. On va vous faire profiter de Clermont by night. Ça marche ? Ça marche. Allez. Thank you.